Donc, comme vous le savez, Didier Deschamps a annoncé hier soir au journal de 20h sa liste des 25 joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar d'ici le 22 novembre. Donc, comme vous le savez certainement, dans la liste, il manquait un joueur, c'était celui de l'Olympique de Marseille, Jonathan Clauss. Donc, Jonathan Clauss n'a pas été sélectionné, le défenseur, le piston de l'Olympique de Marseille, n'a pas été sélectionné pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, au contraire de Guendouzi et de Veretout qui ont été sélectionnés pour jouer la Coupe du Monde. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle, Jonathan Clauss a extrêmement mal vécu le fait de ne pas avoir été sélectionné pour la Coupe du Monde. Le joueur de l'OM ne s'y attendait pas et avait bon espoir d'être dans la liste ces derniers jours. Il a véritablement commencé à douter les dernières 24 heures avant l'annonce, quand certains médias ont expliqué que sa présence était incertaine. Un reportage était même prévu à ses côtés au moment de l'officialisation de la liste par le sélectionneur, reportage qui a été annulé mercredi matin, ce qui a forcément fait grandement douter l'ancien Lensois. Selon les informations d'RMC Sport, personne, pas le staff de l'OM pour lui dire, pas le staff de l'équipe de France, pas Didier Deschamps, pas Noël Le Gret. Personne n'a appelé Jonathan Clauss en amont pour le prévenir qu'il n'allait pas être retenu pour disputer la Coupe du Monde. Le staff des Bleus fonctionne souvent ainsi et n'a pas voulu faire d'exception, même si Deschamps et ses adjoints savaient que Clauss faisait partie des joueurs, d'un des joueurs qui n'allait pas être sélectionné pour disputer cette Coupe du Monde, qui risquait d'être très attristé et abattu par cette décision. Au sein de l'entourage de Jonathan Clauss et dans le club olympien, on reconnaît que Clauss a pris un vrai coup au moral, ses proches l'entourent au mieux et essayent de lui faire comprendre qu'il est victime juste du changement de système de jeu opéré par Deschamps qui va opter par une défense à 4 durant toute cette Coupe du Monde. Comme Igor Tudor en conférence de presse, les coéquipiers de Clauss l'ont encouragé à se concentrer sur l'OM pour rebondir et par ses performances prouver qu'il avait le niveau pour cette Coupe du Monde. La thérapie passera par le terrain dès dimanche à Monaco. Alors moi j'ai un conseil à donner à Clauss. Clauss progresse, Clauss joue, Clauss, enfin Jonathan, ne pense plus à ta non-sélection pour la Coupe du Monde. Travaille, entraîne-toi, fais de belles performances. Parce que je pense que Didier Deschamps, s'il n'aurait pas opté à la défense à 4, t'aurait pris. Ou si vraiment il n'aurait pas opté à la défense à 4 et il t'aurait pas pris, il avait ses raisons. Je pense. Alors moi, je voulais, si on prenait en compte tes récentes performances, je suis désolé pour toi, mais je pense que tu ne méritais pas d'être sélectionné pour la Coupe du Monde. Il te manquait quelques trucs pour pouvoir y participer. Mais je ne dis pas que pour l'Euro ou pour la Coupe du Monde prochaine, si tu es toujours dans le foot et toujours aussi performant, je pense que tu peux déjà t'entraîner, t'occuper d'abord sur l'OM, les faire grandir, les faire monter au créneau, toi progresser, t'entraîner. Et peut-être pour l'Euro qui suit ou la Coupe du Monde prochaine, tu pourras peut-être être sélectionné. Didier Deschamps passera peut-être par une autre défense. Ou même s'il reste à la défense à 4, peut-être qu'il va voir ton changement de performance, ton amélioration. Et peut-être que tu seras sélectionné lors des prochains rassemblements amicaux, Ligue des Nations, Coupe du Monde, Euro. On verra bien. Et pour l'instant, reste concentré sur l'OM. Aide l'OM avec tous les autres joueurs qui seront non rendus à la liste pour l'instant et par la suite avec les autres. Fais monter le groupe, aide-les à grandir et tout ira bien.